Palais impérial de Ogboni aborigine du Bénin. La tradition est encore respectée en ce qui concerne la prière pour la paix et la stabilité politique au Bénin, en Afrique et dans le monde. À la manœuvre, son éminence El Hadj Adam Abibu Olobe, empereur mondial des Ogboni aborigines, le maréchal de la paix. Dans la nuit du vendredi 25 au petit matin du samedi 26 août 2023, les anges de la paix sont invoqués sur la vie du chef de l'État, le président Patrice Talon, et de son gouvernement. Les tensions sociopolitiques qui secouent le continent africain préoccupent énormément l'empereur Olobe et ses fidèles. Chez le petit grain de sable de paix, empereur mondial des Ogboni aborigines Kabiyesi Olobe, la prière rime toujours avec des chants et danses. L'homme pour qui tout combat est gagné d'avance a convié ses fidèles au troisième palais de l'Empire pour le même exercice. Cette phase est mystiquement corsée. Les différentes entités sont sollicitées avec volupté. Mais avant, les Amazones et quelques ministres impériaux ont accompagné le guide spirituel suprême à travers une marche pédestre auréolée de chants et de danses. Oh,
Après avoir franchi le seuil du troisième palais, une horde de fidèles visiblement émus l'accueille avec honneur et ferveur. Le passage de Kabiesi au Lobet, en scandant la paix, suscite la joie et l'espoir chez les fidèles déterminés. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, d'où les exhortations de l'empereur. On ne change pas dans le mensonge. Parce que toi ou toi, ça va te rattraper. Je suis fier que Dieu le Tout-Puissant, le grand maître, le grand roi des rois, il m'a conçu à sa manière. J'aime trop l'homme. Je vous aime beaucoup, je vous dois beaucoup de respect. Mais ce que je demande aux uns aux autres, restez toujours ensemble. Restez toujours dans la paix. Partout où vous passez dans le monde entier, prenez toujours la paix. La paix est très importante. Dieu ne donne pas le pouvoir de la paix à tout le monde. Si vous priez, vous voulez avoir tout ce que vous voulez. Priez toujours avant ton prochain. Au palais mondial des Ogboni aborigines, l'empereur a déjà inoculé aux fidèles l'engagement et la volonté de lutter nuit et jour contre les forces invisibles qui cherchent à compromettre la paix au Bénin et en Afrique. Beaucoup de personnes connaissent la force et le pouvoir mystique insondable dont dispose le maréchal de la paix. Au bout du rouleau, une victoire imminente et une stabilité totale, telles sont les batailles spirituelles actuelles que mène El Hadj Adam Habibou au Lobet, empereur mondial des Ogboni aborigines.